Bonjour mes petites princesses, c'est votre chère Daisy. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu maquillage, puisque c'est plus possible de croiser comme ça des parapététiciennes. On dirait, mon Dieu, on dirait la Twingo de ma grand-mère quand elle s'est fait voler. C'est vraiment, vraiment plus possible. Alors, pour ça, mes petits boudins chéris, votre Daisy, elle a des astuces incroyables et surtout pour pas cher. C'est vraiment, ça va être gratuit et ça, c'est cadeau. En premier, moi, j'utilise toujours le make-up. Donc, celui-ci, non, moi, je... hop là, poubelle, hein. C'est pareil, toutes ces choses-là. Non, 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 non. Daisy, Daisy, c'est pas avec ça qu'elle va vous apprendre à vous maquiller. Alors, si vous avez une poubelle à proximité, je vous invite à y jeter dedans. Hein. Parce que moi, ce que j'utilise, c'est entièrement bio. C'est issu de ma propre fabrication personnelle. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Pour ça, j'utilise mes fientes. Et je les ai récupérées, elles sont toutes fraîches de ce matin. Donc, avec ça, mes petites chéries, je vais vous apprendre comment faire du make-up et du mascara. Alors, il suffit de prendre un petit peu de merde que j'enroule. Toujours avoir du papier toilette avec soi, c'est très important. Je prends mon papier et voilà, je me roule comme un petit cigare. Et ce petit cigare, je le mettrai au frigo. Donc, une fois qu'on a notre petit boudin, ce n'est pas fini. On va le placer au congèle pendant environ 2 heures. Et pendant ces 2 heures, moi, ce que je fais, c'est que je fais l'épilation parce qu'on est toujours sexy et surtout au niveau de l'anus. Donc, je retire un à un mes poils d'anus que je vais délicatement tresser pour faire la ficelle que je placerai au bout de mon boudin. Voilà, comme ça, on a du beau maquillage. Je vois déjà les plus furieuses d'entre vous en train de se dire: oh là là, mais Daisy, comment je vais faire pour tailler des bonnes turlutes sans rouge à lèvres? Alors ne vous inquiétez pas, Daisy a toujours la solution puisque ceci est clairement ma fabrication personnelle. Donc moi, j'ai lié l'utile à l'agréable puisque j'ai des ramières assez abondantes. J'utilise. Et moi, je place mon gobelet, mon récipient, que je récupère mes ragnagnas, que je place comme le reste au congèle. Donc oui, j'ai 2 congèles, un pour la nourriture et puis un pour le maquillage. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, mes petites chéries, tout à l'heure, je vous en ai pas parlé, mais moi, j'utilise du verre que je prends en général sur le coin des murs de ma salle de bain. Ça marche très très bien. Donc ça, c'est fard à paupières, hein. Donc on n'hésite pas. On met du fard, on met du fard, du nénuphar. Voilà. On se rend très belle. Oh, une vraie geisha. Rien de tel qu'un petit peu de verre moisissure pour être magnifique. Oh, mince, il y a peut-être un copyright sur magnifique, je sais plus. N'hésite pas, n'hésitez pas, tout est bon dans le champignon, hein. Alors, une fois qu'on a mis sa moisissure, les filles, mes chéries, mes poupettes, mes petites poupons, mes petites salopes, hein, n'hésitez pas, tout de suite, on passe au mascara. Voilà, magnifique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, en général, j'en profite toujours pour mettre un petit grain de beauté parce que j'aime bien. Alors, mes petits poils d'anus, très important, les petits poils d'anus, hein. Alors, voilà. Et on se fait le trait de la pute, moi j'appelle ça. Alors, le plus important pour les bonnes turlutes, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, ça, vous avez l'habitude, les filles, hein, à chaque fois qu'on fait un selfie. Elle n'est pas parfaite, Daisy. Donc,
Abonne-toi à ma chaîne, il y aura la prochaine fois un nouveau tuto. Alors, Daisy, elle t'apprendra comment tailler une bonne pipe et avaler sans avoir les grumeaux à l'intérieur parce que c'est désagréable. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Bisous, bisous, mes petites salopes. Mouh, bisous, mes boudins. Ah bonjour mes petites princesses, c'est Daisy. Je vois rien du tout parce que je suis à contre-jour. Comment ça se fait ?